l'assemblée générale, pour la réveiller concerne un jeune garçon, la chambre. Si ce n'est pas, pour la réveiller le président de l'Union, Congolais, pour pas changer la constitution.
de tristesse. Alors, pour la tête du peuple à Longueuil, je vous excite encore, secrétaire général, vous allez Jean-Baptiste, qu'il débondisse à Zéla, qu'il débondisse à Zéla, la Zali Koya, la Djamou. Est-ce que vous voyez un bon matin, voyez-vous comment vous voyez-vous les terres? Et dans lancement, il y a campagne où il y a tout le monde, mon troisième la constitution de Bissou. Troisième la constitution de Bissou. Alors, rendez-vous, on va pour que pour le combat en main, pour ici et en haut, pour le combat en main, il faut tous à mon corps. Il faut tous à l'élu. Division y a Michel, chaque quartier, ma parole alliance, comment dire le Conseil national, comme ma alliance dans la série Raye, chaque parti politique qui est dans la série 2, c'est la partie la base de la vérité. Ma carte est un parti, ma carte est un siège national et au coup de pied, ma carte est un parti. Pour quitter la base, pour planter ma cellule, pour planter ma noyau, pour planter ma sous-section, pour planter ma section, nous pouvons commander du peuple à Koloba, tombillement, soumis 1 million de population comme ça, qui on doit comprendre que avant le peuple était. Voyez-vous le terre, voyez-vous le terre. La Yuki, la soya dans celle-là, mais bien le passant en bas, Mathieu Foyer va s'en battre. Pour le dire, 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 Mathieu Foyer va s'en battre. L'annoncer Vino à partir de l'héros pour se préparer
Promulguée en 2006, le 18 février, est la meilleure de toutes les constitutions de notre pays depuis notre accession à l'indépendance. Donc, aujourd'hui, notre constitution totalise 18 ans. On ne voit pas l'opportunité aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on veut réviser les articles 7 de la constitution, voire même la changer? C'est inopportune. C'est inopportune. Tout ce qui est le régime en place, que nous appelons le régime des usurpateurs, le régime des voleurs, des détourneurs, c'est un régime de malédiction. Tout ce qu'ils sont en train de créer comme alibi pour modifier ou bien changer la constitution ne sont pas fondés. Parce qu'aujourd'hui, si tu poses la question aux membres de l'Union sacrée, pourquoi vous voulez réviser la constitution? Ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument. Et tu le sais bien que non, ça, ce n'est pas une constitution de belligérants. Parce que à San City, il y avait la société civile, il y avait l'opposition politique qui était représentée par le FN Tshisekedi, il y avait toutes les forces vives de la nation. Nous avons signé l'accord global et inclusif. Cet accord-là fait suite à ce que nous disons. On a fait cet accord pour que nous soyons des institutions démocratiques. Parce que quand vous lisez l'exposé des motifs de notre constitution, il est bien écrit que non, voilà, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, notre pays est confronté à des crises politiques récurrentes. Donc l'une des causes fondamentales, c'est quoi? C'est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Voilà pourquoi, en 2002, lorsque nous nous sommes rencontrés en San City, il était question maintenant de jeter les bases pour des bases démocratiques, pour que nous ayons des institutions démocratiques. Mais malheureusement,
depuis 2006 jusqu'aujourd'hui, cet accord-là inclusif n'a pas été respecté. Notre constitution est la meilleure, mais il est maintenant question à ce stade de chercher comment faire pour que nous puissions avoir des institutions légitimes avec des animateurs légitimes. Ce n'est pas ce parlement illégitime issu d'un simulacre d'élection qui peut se prétendre aujourd'hui de vouloir réviser la constitution. C'est pourquoi nous lançons un message clair à toute la population congolaise vivant ici au Congo et puis à l'étranger. Si Chilombo et Kabuya, si Chilombo et Kabuya prenaient ne serait-ce une initiative, même dans le songe, de réviser même une virgule de notre constitution, ça sera un chemin de non-retour. Il ne va pas arriver en 2028, on va les chasser comme un chien. Donc c'est ça. Donc je voulais dire ceci à Lingala. Le secrétaire général de France Kitoko. Le mot d'ordre a été lancé. Ce qui est bien, qu'on rêvait, mais tout autour de la population congolaise, pas l'ambouka. Parce que Chilombo déjà a mis en place une commission Mokobouana, constituée avec les professeurs d'université, pour nous relouka, pas changer la constitution. Alingi a s'éterniser le pouvoir. Alingi a dit qu'à la libella. Tozala Kinaye, nous avons combattu Kabila pour qu'il ne puisse pas préviser cette constitution. Mais Lelo a eu qui possède le pouvoir, a eu qui est l'ingi à gâteau, a commis qu'on luka a prolongé le mandat. Il y a moyen de lancer un message. Pas dans le Congo, pas tellement. Ce qui est si qu'on fait d'accord. Voilà, il va modifier la constitution. Il y a déjà tellement la yé. Il y a une constitution. Ceux qui vont modifier en moi, ils ne font même dans ta presse. Même les policiers, même les militaires. Ceux qui vont changer la constitution et qui vont affecter Bino de manière indirecte, soit directe. Voilà pourquoi. Tu es biboye, biso la mouka. On a décidé, et l'on est le commandant du peuple, le président Louis Martin Fayoulou, de l'obiboye. Constitution haute aux yeux avec beaucoup de sacrifices. Et ça lui, sacré, régime de Nibi et coquille jamais pour réviser, même une virgule là-bas, il y a ni un abisso. Il y a un autre l'obiboye. Yoti Lombo, Nakabouya. On s'arrive à ventir trop, on s'arrive à grenoter, voilà tout ce qui est caillou. Mais en baloyo, nous lançons un message. Si vous pensez que votre ministre de la force du progrès fera face à la force du peuple, José Bissabino Boyer, Ngonga et Betty, les jours où vous avez une initiative, le parlement, ce qui est le président, parlement. Donc vous êtes un régime qui fait la promotion de colère. Ce qui est bon, qui caca pour réviser ta virgule, mon constitution. Je vous rassure, beaucoup de peuple dans le peuple dans la bino, et puis les bossons pour le commandant du peuple, le président Louis Martin Fayoulou. Je vous remercie.